Since the revolution, which started in January 2011, Tunisia has been going through a transition period. Democratic elections, new demands from the public, social movements, all actors of the society are confronted with a new freedom, which transforms power relationships and represents a challenge. At the core of this challenge is the media and the security forces trying to find a new type of relationship. This needs to evolve with the Tunisian society and to guarantee respect of the right to freedom of expression. On ne s'attaque pas à un policier, on ne s'attaque pas à un journaliste. Alors nous-mêmes, comme policiers, on ne peut pas s'attaquer à un journaliste. J'ai le droit à son opinion, j'ai le droit à mon opinion. La police et les médias, on a des chemins différents. Mais on veut la même chose dans la vie. On veut protéger la démocratie, mais on veut que les gens aient accès à l'information, à la vérité. Dans notre démocratie, on a besoin de vous. Vous avez un rôle important pour apporter l'information à la population. الايام الدراسيه اللي قاعدين نعملوا فيها هذه علاش تقريبا وجهه النظر هذه وهل هو هذه خلينا نسكروها ce qui est important cette formation avec l'UNESCO c'est l'ouverture envers les médias قلت العلاقه قبل ما كانتش واضحه ما كانتش مسموح بها لا مع الصحافي ولا مع المواطن نجم يعطوك لو تولي معروف وتصور كما تحب براحتك كما نجم يعطوك تولي مستهدف وقت المصادمات وقت تبدا ثم مسيرات Ce qui est bien, c'est que durant cette formation organisée par l'UNESCO, les agents de police avouent bien qu'il y a des agressions sur les journalistes, des agressions de leur part, bien sûr, de la part des agents de police. Et je trouve personnellement que c'est un pas vers l'amélioration de la relation entre journalistes et agents de police. نظام شو النظام مشي قاعده ترواسبه في مخاخنا اللي يحس روحه مازال عنده شويه صعب باش ينظف وكا توانسه متسامحه يخدموا في خدمه كبيره فهمتني ولا على مستوى الجريمه على مستوى مشاعر برشا حوايج الارهاب وما الى ذلك ولكن الشيء هذا ني با فالوريزي علاش؟ احنا نقصير في الجهه هذه نقصير On espère que ces formations continuent. Après deux ans que ce projet a débuté, on a vu beaucoup de changements. Je ne dis pas que tout est parfait. Il y a beaucoup de choses à corriger pour nous, les policiers, et aussi la gendarmerie, mais aussi pour les médias. C'est la mentalité tunisienne qu'on doit changer. حقد على غيره ينسى ان شاء الله مثل هالحلقات ولا التكوينيه تكون منها فرصه باش كل واحد يفهم الطرف الاخر ونمدوا ايدينا لبعضنا ونتعاونوا وذكر Tout en vivant dans un État qui respecte les droits de l'homme, c'est sûr et certain qu'on a besoin des agents de police, c'est sûr et certain qu'on a besoin du ministère de l'Intérieur, parce qu'en fait, ils représentent la source de sécurité du journalisme et du citoyen. On a le même but, c'est d'avoir la vérité, d'avoir un État de droit, c'est que notre pays, la Tunisie, soit dans le bon chemin. Et de voir que les gens se rassemblent, sont capables de passer par-dessus pour un bien commun, qui est de maintenir la démocratie et le bien du pays. Pour moi, c'est à chaque fois ce moment qui est magique. Je trouve ça très émouvant.